Bonjour à tous et bienvenue à votre vidéo de Modern Jazz. Dans ces vidéos, je ne propose pas d'échauffement, je propose simplement une chorégraphie que je vais vous faire travailler partie par partie. Chaque semaine, on va ajouter pour essayer de donner une chorégraphie un petit peu plus longue et j'espère qu'on aura l'occasion de la faire ensemble dans la salle de danse. Quand on va se retrouver. Cette petite introduction, juste pour vous expliquer que je vais vous proposer cette chorégraphie en miroir, c'est-à-dire que quand je vais vous regarder comme ça, par exemple, plier pour moi, chez moi, le genou gauche, et eh bien chez vous, ce sera le genou droit parce que vous me regardez comme ça. Donc vous allez faire comme ça. D'accord? Je pense que je vais vous proposer la chorégraphie une fois de face et puis aussi je la ferai éventuellement de dos pour vous aider. La vidéo, elle va d'abord commencer dans quelques instants par la démonstration de la chorégraphie en musique. Donc vous allez d'abord regarder ce que ça va donner en musique. Ensuite, je vais décortiquer entièrement au ralenti, pas à pas. Les pas, les mouvements. Et puis ensuite, on lancera la musique. Je vous ai mis la référence de la musique dans l'introduction de la vidéo. Voilà, attention, c'est parti en musique. 6, 7, et... Maintenant, vous avez pris connaissance de la chorégraphie en musique. Voyons en détail. Nous allons commencer sur une position qu'on appelle grande seconde parallèle. Les pieds sont bien plus larges que votre bassin. Vous êtes sur un appui bien solide. Pensez à tenir toujours un petit peu votre ventre pour avoir des appuis solides. On va commencer juste par la petite introduction ici. C'est juste plier le genou droit. 1 et puis gauche 2. 3 et on revient. C'est tranquille. On plie et puis on accompagne un peu. 6, 7, on revient. Encore ensemble. Il faut essayer de relâcher un peu les épaules. C'est assez cool au début, c'est presque un peu libre en fait, hein. Et 1, 2, les bras sont un peu relâchés. 3, mais on revient quand même dans une position verticale sur le 4. Et 5, 6, 7, on revient 8. Ensuite, ça fait... Pli droite 1, bras droite 2, 3, 4. Vous voyez, avec mes appuis, je suis revenue au centre. 5, 6, on développe 7, 8. Encore une fois la suite. Et pli 1, 2, 3, 4, rentre à l'intérieur. 6, tire 7, 8. Je vous montre de dos. Et ça nous fait. Et 1, 2, 3, 4. Et 5, 6, 7, 8. Genoux. 1, 2, incline 3, incline 4. Intérieur. 6. Tirez 8. Bien. Une fois qu'on est ici, tirez 8. On referme le pied droit, le pied gauche, on revient au centre. OK? Donc, on a fait pli, bras et tête intérieure, ouverture et droite, gauche tranquille. D'accord? Puis c'est le pied droit qui va avancer avec comme ça un petit mouvement de bassin qui va comme pousser vers l'avant, vous voyez? Vous tournez un peu de côté, donc vous mettez votre pied vers l'intérieur et vous poussez. Et la même chose ici, mais on se déplace. OK? Donc on arrive à 4 et 5,
6, 7, 8, recule gauche, droite. OK? Encore une fois. Et ça nous fait donc pouce, le bras tire, recule pied gauche et glisse côté. Ce sera la suite. Encore une fois. Et droite. Et on y retourne pour plier et gauche derrière. Et on ira sur le côté. OK? Allez, reprenons du début. 6, 7, 8 et 1, 2, 3, reste 4 et 5, 6, 7, reste 8 et 1, 2, 3, 4, intérieur, 6, tire, 7, 8, 1, 2 et 3, 4 et yam. Et recule. Et encore. Et retire. Ça, c'est la suite. OK? Une fois qu'on a reculé, on ouvre son pied gauche. On fait une ondulation. Une deuxième. On pousse sur le pied et on arrive à en retirer. On va ensuite pousser le pied flex vers l'avant ici en étirant. Ensuite, on va basculer un peu, vous voyez, comme ça, sur le côté. Hein? Vers la droite, on va engager une boucle et se replacer. OK? Je vous montre ici de dos. Donc, 1, 2, retirez. On pousse flex vers l'avant. Ensuite, on décale un petit peu. On fait une boucle. On relâche. Et on va ajouter un saut. OK? Allez, du début. 6, 7, 8 et 1, 3, 4 et 5. Je reste. 1, 2, 3, 4 et 5, 6. Je reste. Et 1, 2, 3, 4 et 5, 6 et 7, 8 et 1, 2, 3, 4 et 5, 7, 8 et 1 et 3. 4 et 5 et 7, 8, prends 4 temps, 2, 3, 4 et 4 temps, 6, 7, 8 et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, le regard. Encore une fois la fin. On a fait donc 1, 2 fois, là on a 4 temps pour retirer, on tire vers l'avant. Notre boucle, le saut, et c'est le bras gauche qui va se lever, venir à l'épaule, rentrer sous l'aisselle pour tirer, coude, le regard. OK? Je vous montre ça de l'autre côté. On part de là. 1, on prend 4 temps, on pousse. On fait la boucle, le saut, bras gauche va aller vers l'épaule, rentrer, tirer, coude, le regard. OK? Allez, à nouveau du début. 5, 6, 7, 8 et 1, 3, 4 et 5, je reste. 1, 2, 3, 4 et 5, je reste. Et 1, 2, 3, 4, intérieur, 7, 8, et ferme, 2, 3, 4, en avant, 7, 8, et les bras, reculez, côté, côté, 4 temps, pour retirer, tirer, 4 temps, la boucle, et sauter, et le bras, le cou de la tête, encore une fois avec moi, cette fois je vous tourne le dos, et 1, 3, 4, et 5, je reste. Et 1, 3, 4 et 5. Je reste. Et 1, 2, 3, 4. Intérieur. Et 1, 3, 4. Et pouce. Et 1, et 1, et 1, et 1. Et retire. Et flex.
Et 1. Le saut et la boucle. Coude tête. Suite. On a fait coude tête. La suite, vous allez voir, ce n'est pas très difficile. On va refermer le pied gauche. On va regarder en haut. On va regarder le nombril. C'est la fin. Hein. C'est juste la petite vague de la fin. On fait un grand plongeon sur jambe tendue de préférence. Et on sort la tête. On garde le ventre serré et on revient se placer sur l'axe. On finit juste avec ça, ok? Donc, on a fini avec la boucle, le coude, la tête. Le regard continue vers le plafond pendant qu'on se replace. On regarde, c'est un retour au calme avant la tempête. La tempête, ce sera pour la semaine prochaine. Et on tire. Et on se replace. Ok? Allez, encore une fois, tout du début. Ça, je vais faire une fois lentement et une fois rapide. Et 1, 3, 5, je reste. Et 1, 3, 5, je reste. Genou, le bras, côté, côté, plongée, tirez, referme, droite, gauche. Et 1, et 1, 1, et glisse, et appuie. Reviens doucement, et pousse, et le petit décalé, petit saut, et la boucle, le coude, la tête, le regard, et on plonge. Et on tire, on replace, même chose rapide. Le tempo va être un petit peu plus rapide que ça, même voire beaucoup plus rapide que ça. 5, 6, 7, 8 et 1, 3, 4 et 5, je reste. Et 1, 3, 4 et 5, je reste. Et 1, 2, 3, 4 et 5, et 7, 8 et 1, 3, 4, et pousse, et 1, 2, recule, et 5, 7, 8, et plie, tirez, et 1, et la boucle, le coude, la tête, et 1, et 1, et 1, replace au centre. Une dernière fois, je me mets de dos, je fais une dernière fois lent, et rapide. Et après, on fait en musique. 5, 6, 7, 8 et 1. 3, 4 et 5. Replace. Et 1, 3, 4 et 5. Replace. Et 1, 2, 3, 4 et 5. 7, 8 et 1. 3, 4 et 5. 7, 8 et 1, 3, 4 et 5, 7, 8, prends le temps, 3, 4 et flex, 7, 8 et boucle, le saut, reboucle, le coude, la tête, le regard, c'est lent, 5, 6, 7, reviens. Plus rapide. 5, 6, 7 et 8 et 1. 3, 4 et 5. Je reste. Et 1, 3, 4 et 5. Je reste. Et 1, 2, 3, 4 et 5. 7, 8 et 1. 3, 4 et 5. 7, 8 et 1. 3, 4 et 5. 7, 8 et 1. Et 5. Et regard, replace, plongée, replace, et 8. C'est parti en musique. Alors attention avec la musique, on laisse passer 2 fois 8 avant de commencer à danser.